Bonjour à tous, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une solution sur le sanctuaire de Hollom Uaka. Jeu Zelda Tears of the Kingdom, bien évidemment. Donc voilà, on se retrouve ici avec des fusées, une cible. Donc on va aller placer la fusée au milieu. Hop. Voilà, et elle va atteindre la cible, ce qui va nous ouvrir la deuxième porte. Là, pareil, on récupère la fusée. De toute façon, vous voyez qu'elle repop à chaque fois. Donc là, on a des wagons, on voit qu'il va falloir monter. Hop. Ici. Et ça nous fait arriver à la prochaine étape. Alors, une fois ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit des fusées, on a un chariot. Récupérer la fusée. Il y a plusieurs façons de placer les fusées, hein. Sur les côtés à l'arrière, hein. L'essentiel vraiment c'est d'arriver à bon port. Sécuriser au maximum le wagon pour être sûr que et vous pouvez aller chercher le coffre. Voilà un rubis brut. Maintenant on va s'occuper de rejoindre l'autre côté. Moi, je l'ai collé n'importe comment. Hop, c'est pas comme ça. Le rail. Le wagon. Sur les rails. Hop. Et voilà. Ça mène bien loin. Donc voilà, si cette vidéo a pu vous aider, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt les amis. Bye bye!